Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un décor de Noël. Alors pour celles qui me suivent l'année dernière, j'avais fait un village de Noël sur un rond de bois. Voilà, il était un peu petit et là, j'avais envie d'en refaire un sur ce rond-là qui est quand même plus gros, hein. Donc, bien sûr, pour ce faire, je voulais le faire avec des maisons. Donc, c'est une guirlande de Noël, voilà, avec des petites maisons. Et moi, je sais que l'année dernière, quand je l'ai vue, j'avais craqué dessus. Et je m'étais dit, ben moi, je la vois en petit village de Noël, voilà, tout simplement. Donc, on va essayer de démêler tout ça. Je ne sais pas trop comment on va faire ça, mais bon. Je ne sais pas du tout. Bien sûr, ce ne sera pas le même que l'année dernière, puisqu'on ne refait jamais les mêmes choses. Et en plus, d'une année sur l'autre, on n'a pas forcément les mêmes décors. Là, sachant que j'ai plein de décors à l'atelier, mais... Là, je vais me faire avec ce que j'ai autour de moi, hein, puisque on va voir ce que ça donne. Bon. Donc voilà, en fait, là, la guirlande, c'est comme ça, et la lumière, elle est dessus. On va l'allumer d'abord, voir si ça marche. Donc, là, il me semblait bien que j'avais prévu les piles. On va voir. Donc voilà, donc là il y a tout qui marche. Donc là je vais l'éteindre, hop. Je vais laisser les piles dedans parce que moi j'ai besoin, je vais y arriver. J'aime bien laisser allumer quand je place les guirlandes lumineuses. Par contre moi je vais tout défaire, c'est-à-dire que je vais enlever les lumières. Voilà, tout simplement. Hop. Et on va les passer dessous. En fait, j'avais fait pareil l'année dernière pour mon village. Parce que pour moi, je trouve que c'est plus intelligent que ce soit dessous que dessus. Mais ça, c'est mon avis perso à moi. Donc, on en a 2, 4, 6, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, il me manque une maison. Est-ce normal qu'il manque une maison dedans? Bon, il me manque une maison. On va se débrouiller autrement, c'est pas grave. La dernière guirlande, on la mettra par là. Donc, pour commencer, je vais venir mettre, hop, mes petites maisons autour, voir ce que ça donne. Donc, ouais, je suis désolée, je risque de partir un peu, hein, parce que moi j'adore Noël et que voilà quoi. Quoique, on va regarder la distance. Donc ça, ce sera au milieu sûrement, entouré de sapins. Et donc, on va regarder par rapport aux distances. Donc là, ça irait. On pourra mettre une après ici. Une là. Vous voyez, faire. Et là, il suffira de placer la lumière dessous, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais... Là, on va piquer. On va coller la lumière et on va venir coller ici, dessus. Ouais, je crois qu'on va faire ça. Et après, une à côté, une plus loin. On va faire des petits trucs de maison comme ça. Je pense que ce sera le mieux. Bon, du coup, il me manquera une maison, mais bon. Tant pis, hein. Donc ça ferait
une, deux. On va se fier par rapport. Une, deux. Trois. Quatre. Je regarde un peu, hein, et attends. 5, 6, 7. Parce que je voudrais qu'il y ait des maisons un peu partout. Il y a vraiment qu'au milieu où je vais laisser, parce que je vais mettre des gros sapins. Peut-être que je pourrais les mettre avant d'ailleurs. Ce serait peut-être mieux. Non. Bon, là, j'attends que ça chauffe. Ouais, c'est bon, c'est chaud. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, là, je vais voir si je la laissais droite. Donc, là, je vais venir coller ici. On va mettre la lumière, comme ça on verra au fur et à mesure. Et là, ben, on va venir coller la maison dessus. Oui. Que c'était Mimi. Là, je vais venir coller. Thank you.
maintenant, on va venir mettre les sapins ici pour cacher le boîtier. D'accord. Donc, on va prendre des grands sapins. Au début, hop, on va venir les coller ici. Hop. Là. Ça, c'est pas les plus grands. Il est tout tordu, voilà, comme ça. On va venir faire un rond, en fait, avec les gros sapins, comme à mon habitude. Ah, il me manque des gros. Voilà. Bon, voilà. Hop. Hop. Voilà, vous voyez le système. On va emprisonner en fait le truc dedans. Et donc là, ben, on vient coller. Donc là, on vient refermer le boîtier en fait. Et comme ça, ça permet qu'il ne se voie pas de trop. Et après, il ne se voit pas beaucoup. Et on peut changer les piles. On peut vraiment, après, on fait ce qu'on veut. C'est top, moi j'aime beaucoup faire ça, mais ça vous le savez, si vous me suivez, vous savez bien que je n'aime pas trop qu'on voie les boîtiers. Et le dernier ici, il va falloir le pousser un peu celui-là, mais on est. Et voilà, et là il est caché le plus possible. Voilà, là on peut l'enlever, on change les piles, on fait ce qu'on veut, on l'allume, on l'éteint. Hop, ici. Donc moi j'adore, voilà, je suis contente. J'adore, 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 j'adore. Ensuite, on va venir peut-être en mettre des petits par-ci, par-là, quand même. Manière de... Il n'y a pas de raison. Alors, vraiment, après, c'est comme on a envie. On se laisse aller. Voilà. On fait comme on le sent. Vraiment, il n'y a aucune... aucune règle, contrairement à... apparemment il faudrait tout calculer avant, mais non, 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 faut laisser parler ce qu'on a envie sur le moment, pas se poser de questions. Mais je réfléchis pas, hein. Je réfléchis pas. Hop. Donc ça, ça fait office de centre de table, de décoration de Noël, de ce qu'on veut en fait. Vraiment, il n'y a pas de... On fait ce qu'on veut. Là, je vais venir mettre une écorce ici. Dans le creux. Pareil, on n'est pas obligé. Moi, j'ai envie d'en mettre, donc j'en mets. Mais on n'est pas obligé du tout.
Désolée, je sais pas pourquoi on a été coupé. Décidément, en ce moment, il coupe pour un rien. Je sais pas ce qu'il a. Donc là, pareil, on va venir mettre une écorce ici. Donc en fait, là, je me sers des écorces pour venir cacher un peu le blanc des sapins parce que je n'aime pas beaucoup. Voilà. Ah, celui-là, je ne l'ai pas collé. J'ai pas collé celui-là. Et alors, Joël, on colle pas tout. Qu'est-ce qui se passe? Là, ça va s'écoller après. Du coup, hop. Je vais en remettre un peu, du coup. Vous voyez, ça cache un peu le blanc, là, le pied. Et je trouve que c'est bien sympa. Mais bon, après, ça, c'est pareil. C'est une affaire de goût. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Donc, c'est vraiment après comme on veut. Là, je vais venir mettre une épine de pin. La petite pine de pin. Et voilà, et puis on va voir au niveau des personnages aussi ce qu'on va mettre, parce que faut savoir ce qu'on va mettre. Le choix risque d'être encore compliqué. Donc moi là, je comble un peu les trous avec. Bien entendu qu'on n'est pas obligé. Oups. Bon, tant pis. Voyez pourquoi je vous dis de protéger votre plan de travail, surtout si vous êtes comme moi, aussi doué avec la colle. Je vais vérifier que je les avais bien collés quand même, puisque apparemment j'ai oublié d'en coller certains. Là, on va venir caler une pine de pin. Bien sûr, il faut aimer tout ce qui est écorce et tout ça, hein, pour sinon vous prenez d'autres décors qui vous plaisent plus. Moi j'aime beaucoup les écorces, c'est pour ça, mais après c'est toujours pareil, on met ce qu'on aime, ce qui nous parle pour Noël.
Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour avec mes écorces. J'ai caché le blanc. Maintenant, on va voir ce qu'on est comme personnage. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Ouais, j'ai un petit traîneau du Père Noël, mais il va être trop long. Voilà, vous voyez, ça va être beaucoup trop long et j'ai pas pensé avant. Je crois qu'on aurait pu faire. Donc, ben on va trouver autre chose. Ah, j'avais la calèche. J'avais la calèche. J'aime beaucoup la calèche. Alors, la calèche. Voilà, ça la ferait. Là ou là. Après, il faut juste trouver l'endroit où on a envie de placer les choses. Voilà. Voilà, ça le fait là. Là, on va la caler là. Ça le fait, hein? Ça le fait, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, hop, attendez, j'arrive plus à l'enlever. Donc, ben, on y va. Alors là, moi, j'en mets de la colle en général. Eh bien, là, moi j'en mets quand même pas mal. Donc on appuie, hop. Là. Bon, les fleurs, je les mettrai après. J'aurais pu mettre ce Père Noël aussi. Il est trop marrant celui-là. On aurait même pu. Bon, là, je vais pas le faire, mais. Suivant le décor qu'on fait, mettre des bougeoirs comme ça, casse-noisette par exemple, voilà, les insérer dans le décor. Bon, moi je vais pas le faire parce que là c'était pas le but de celui-là. Mais... Mais après on peut tout faire en fait, il suffit, ouais, faut se laisser aller, tout simplement. Là, peut-être mettre un petit sapin. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais juste mettre ça ici. Celui-là, je vais le recoller parce qu'il a le. Il a cassé le. Il est bizarre. Hein? Il est bizarre. Ouais, c'est ça. Je vais mettre un point de colle. On va voir si ça tient pas. Au pire, tant pis, je le mettrai pas, mais. J'aurais bien aimé le mettre ici. Un petit casse-noisette aussi.
excusez-moi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire encore? Ça, là, j'ai bien envie de mettre des petits trucs aussi comme ça, là, qui viennent se caler, là, aussi. J'aime beaucoup. Voyons. On va recouper ça. Et le faire... Ah, ça fait... dans ce sens là. J'aime beaucoup comme ça aussi. Et en plus ça cache les fils aussi. Allez, on va coller ça. Alors moi là je le colle comme ça. Mais après, c'est vraiment par rapport à votre décor et à ce que vous avez envie. Voilà. Là, j'ai un truc qui est accroché. Et après, on fait ce qu'on veut. Je l'ai rajouté. On va mettre ailleurs quand même. Ça fait trop... Là, ici. Ou même on pourrait le mettre là par exemple. Ici ça ferait joli aussi. De toute façon, petit à petit on va venir recouvrir les le fil qu'on a collé, qui ça se voit pas. Donc là, j'aurais bien mis. Je suis désolée, vous voyez pas, mais c'est vrai que c'est pas évident de travailler. Vous voyez, hein, le renne un peu en, comme ça. Je l'aurais bien mis comme ça en fait. Il n'y a pas une plus grosse. Là. Parce que là, en plus, ça cache. Et. Et ça ferait joli. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aime beaucoup. Je vais quand même mettre ça ici, on va voir si ça le stabilise mieux. C'est mignon, hein. Ouais, je sais, je sais, je pète un peu les plombs, je retombe en enfance dès qu'il s'agit de décor de Noël, mais bon. Donc là, du coup, je les colle arrondi à l'extérieur. Et même, on pourrait mettre... ça. Allez, on colle.
attendre que ça prenne bien par contre. Voir s'il faut rajouter un peu de colle ou pas. Et là, je vais venir le mettre en travers pour cacher le fil encore. Bien sûr, le fil, il y a d'autres options hein, pour le cacher. Il y a plein de sortes. On peut mettre de la neige et tout, mais la neige, je la mettrai après. Comme je vous ai dit, je l'ai à l'atelier et du coup, j'irai la chercher après. Hein. On va mettre des petites fleurs quand même après. C'est pas marrant s'il n'y a pas de fleurs. J'avais envie de mettre ce petit bonhomme de neige. Hein. J'aime beaucoup ces bonhommes de neige. Et après, oups. Là, je vais couler un sapin. Vous voyez, je passe d'un truc à l'autre parce qu'en fait, les idées viennent en faisant le décor. Hein. Donc, vraiment, c'est vraiment comme ça vient. Et là, on vient mettre des petits sapins par-ci, par-là. Je vais essayer de mettre une fleur pour voir ce que ça donne. Une petite rose. Alors, je vais mettre une rose rouge, ça relèvera un peu. Si vous voyez bien en fait. Hein? Là, je vais venir coller celle-là. Vous voyez que je vous dis qu'il faut beaucoup de colle. Là, celle-là, je la colle à l'envers. Donc, je la mets sur les extrémités. Et on va laisser coller. Voir, j'en rajouterai si je vois que ça va pas. Là, je voulais y mettre le petit bonhomme. Est-ce que j'en aurai un autre après? Je crois que j'en ai à l'atelier. Un casse-noisette peut-être. Casse-noisette, ce serait pas mal aussi. Allez, on va mettre casse-noisette. Donc pareil, casse-noisette. Hop. Je vais mettre une rose au bord là.
petit bonhomme de neige. Il est trop marrant, celui-là. Moi, je l'adore, celui-là. Celui-là, il est trop chou. Ouais. Allez, hop. Ça, comme c'est mignon. C'est pas mimi, ça? Et puis voilà, après, c'est vraiment comme on a envie, hein, de toute façon. Pour cacher les fils. Mais de toute façon, les fils après, on les cache aussi avec le... En y mettant du... Comment dire? De la fausse neige aussi. Et puis, il y a plusieurs façons. J'aime bien aussi faire dépasser les... En plus, ça fait des... Je suis désolée, je suis concentrée en fait. J'aime beaucoup ces écorces comme ça. On peut les mettre en endroit, à l'envers. J'aime beaucoup, beaucoup. Une pine de pain, ça aussi il va falloir que j'aille en chercher à l'atelier pour finir parce que j'en aurai jamais assez. Donc là, pour essayer de le glisser. Donc là on coupe le bout, hein. Peut-être que je fasse attention au temps aussi parce que donc là ça je vais le couler. Hop. Donc je vais le glisser dessous. On va essayer. Hop. Hop. Oui. Vous voyez. Et puis voilà, ainsi de suite. Hein. De toute façon, après, c'est. Comme ça vient, comme on a envie, c'est vraiment parce... là. Et avec ce qu'on a aussi. En plus, chez Keepers, je devais en acheter là des boules rouges comme ça et j'ai oublié. Donc, c'est un peu fichu.
on fait un petit tas rouge. Moi, j'aime beaucoup le rouge. Je trouve que ça relève les décors de Noël. De toute façon, mon Noël, c'est rouge, blanc, doré. Ah, ça me fait penser que j'avais aussi des petits sujets que j'avais acheté à Action. Là, il y avait des patins et tout et tout. Moi, j'y pense. J'ai vraiment envie d'en mettre une, celle-là. C'est dommage, ça fait gros, mais j'adore. Voilà, une rouge. On va mettre la blanche. Mettre la blanche. Et après, on mettra la rouge. À côté, comme ça, ça relève aussi. Voilà. Du coup, j'ai pas mis mon bonhomme de neige encore. Hein. Je crois que je vais pas le mettre en fait. Et oui. Par contre, il n'y a pas le Père Noël, donc on va venir le mettre quand même. Ici, on va venir le mettre. Donc, on y va. Non, là, j'en mets parce qu'il est assez lourd, le Père Noël. Donc, voilà. Et je vais arrêter là. Hein. Je vais juste finir là. Et après, on viendra juste mettre de la neige. Mais je pense que je le ferai hors caméra parce que là, ça va vous faire beaucoup, je pense. Déjà, je sais pas combien je suis, mais... C'est que je ne voudrais pas faire deux parties pour ça quand même. Ce serait bête, je trouve. Mais bon, déjà, je pense que j'accélérerai la partie où on met la lumière. C'est très joli. J'adore. Dommage qu'il ne les fasse pas un chouïa plus petit. Là et là, j'ai pas un petit truc blanc. Des petites boules blanches. Même on pourrait mettre des dorés aussi. Donc on y va, on les glisse par-ci, par-là. Vous savez que j'aime beaucoup, pour celles qui me suivent, les boules blanches à Noël. Je m'en sers beaucoup. Vous voyez de suite ce que ça donne. Donc, moi, j'aime beaucoup. Mais après, bien sûr, c'est toujours pareil. C'est suivant les goûts, si vous en avez, si vous n'en avez pas. Vous voyez, je ne me prends pas la tête. Hein, depuis tout à l'heure, je fais avec ce que j'ai. Hein. Et croyez-moi que j'ai beaucoup plus en bas. Mais moi, je fais avec ce que j'ai. Ce serait plus facile d'aller en bas aussi. Mais j'aime bien aussi me forcer à me servir un peu de tout. Parce qu'après, c'est la facilité aussi. Donc... Et là, du coup, je crois que ce décor, à part sur les maisons, je viendrai mettre de la neige saupoudrée. Mais ça, je le ferai sûrement hors caméra.
Donc là, j'en mets un peu partout en fait. Hein. Pour ça, je ne vous montre pas parce que c'est vraiment comme ça vient. Hop, je vous montrerai après de toute façon. On n'est pas obligé de mettre ça. Moi, j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'en mets. Mais vraiment, on n'est pas obligé. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop. Et moi, j'adore ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'en mets. Il y en a des rouges, des dorés aussi. Hein. Donc je vais en mettre aussi doré, rouge. Un peu par-ci, par-là. Pour relever. Voyez, ça relève un peu quand même. Et après, en saupoudrant la neige dessus, ça fera comme s'il y avait des boules de neige en fait. Vous savez qu'on fait des batailles de boules de neige et tout. Après, ça, c'est mon histoire. Après, chacun raconte l'histoire qu'il veut hein, dans ses décors. C'est bien connu. Chacun fait ce qu'il veut et a ben, son histoire. Son inspiration. Là, je vais ouvrir les rouges aussi, comme ça on mettra un peu de rouge. Et voilà, j'en mets partout au passage. Comme ça relève un peu plus. Un bâton de colle. Vous voyez, c'est vraiment. Là, c'est un peu trop blanc. Donc, je viens mettre une couche au milieu. Je vous montre. J'espère vraiment que ça vous donnera des idées pour réaliser vos décors. Parce que c'est le but hein, du partage, c'est de vous donner des idées. Donc là, j'en mets un peu sous les troncs. Un petit peu ici et après je pense que ce sera bon. On va juste en caler un peu par-ci par-là.
On peut aussi rajouter des sapins. On peut faire vraiment ce qu'on a envie. Il n'y a pas de règle, vraiment. C'est ça qui est bien aussi. Enfin, moi j'aime parce que on se prend pas la tête. Donc là, je vais arrêter là un petit peu pour le moment. Voilà ce que ça donne. Donc là, je vais aller, bon, pas maintenant, mais tout à l'heure, je vais aller mettre de la fausse neige. Je vais aller le faire à l'atelier, puisque là, je suis chez moi. Et puis voilà, je pense que je vais arrêter après, hein. Je vais juste mettre peut-être de la texture là, pour faire cet effet neige sur les toits, mais c'est tout. Et puis voilà, je crois qu'on va en rester là. Donc bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.